Et les applaudissements pour l'ancien président de la République entre 74 et 81, troisième chef d'État de la Ve République, né en Allemagne, bachelier à seulement 15 ans. Il a aussi été ministre, président de région, député européen et maire de Chamalières. Chamalières, c'était sa ville à côté de Clermont-Ferrand et les habitants là-bas apprennent ce matin la disparition. Aujourd'hui, les Chamaliérois vont se réveiller assez troublés. On a grandi avec son histoire. On a appris à travers les cours, à travers l'école, le personnage que c'était. C'est une figure locale, c'est une figure tout simplement, hein, parce que président, issu de la région, donc il était représentatif aussi de l'Auvergne, de notre région. C'est un peu bouleversant. Oui. Il a été pour Chamalières un bon maire et il était un bon président, je trouve. Et moi, il va me manquer, ça, c'est sûr. Ouais. Moi, ça me fait quelque chose. Je suis vraiment émue, voilà. On est bien triste. Il a fait, je pense, ce qu'il a pu pour marquer, par exemple, avec le Vulcania. Vulcania, ça a été une bonne chose. Ça fait un plus pour la région. On ne peut pas rester insensible à son passage.